Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale de la Loire. Ce soir, nous sommes au Nouveau Théâtre de Beaulieu qui organise le Festival des Arts Burlesques à partir du 21 février. Il y aura plein d'humoristes connus, mais il y aura aussi un concours pour découvrir de jeunes talents. Parmi eux, Gladys Morel, on la retrouve après les actualités dans le département. Comme ça, j'en ai un petit bout. Après la cantine bio, la cantine écolo à Saint-Étienne. Saint-Paul, un établissement privé du centre-ville, lutte contre le gaspillage alimentaire. Et tout se passe lors du service. Fini les plateaux remplis dès le début du repas. Les 300 élèves se servent au fur et à mesure. Bœuf bourguignon ou cassolette de poisson? Comme ça ou un petit peu plus? À voter. Mademoiselle. Les enfants choisissent non seulement ce qu'ils mangent, mais aussi en quelle quantité, en fonction de leur appétit du jour. Pour le plat principal, on se resserre quand on veut. Du coup, ça évite, si on n'a pas vraiment faim, on peut se servir de la façon dont on veut, tout ça. Et ça évite d'avoir des choses qui restent dans l'assiette une fois qu'on a fini, quoi. Un choix payant en termes de déchets. Ici, chaque élève jette en moyenne 2% de la nourriture de son plateau, contre 37% au niveau national. Le système aurait aussi d'autres avantages. C'est vrai que c'est assez improbable de voir un jeune ado de 14 ans, un peu gaillard, qui va se servir en carottes râpées. Sauf que là, il en prend. Alors, pas tous, mais il en prend. Il goûte. Les enfants goûtent davantage. Malgré tout, ce midi, la viande et les pâtes semblent avoir bien plus la cote que le buffet de crudités. Demain, ce sera tagine d'agneau, car apparemment, gaspiller moins, c'est cuisiner plus de produits de qualité. Ça nous permet de pouvoir travailler des produits plus nobles, ça nous permet aussi d'être plus à l'écoute des élèves, puisqu'il y a des plats qu'ils aiment, qu'on ne pouvait pas faire sur une chef linéaire, alors que là, sur un service à zéro gaspille, on peut le faire plus facilement. Saint-Paul devient la première cantine labellisée zéro gaspille dans la Loire. Une récompense décernée en interne par 1001 repas. L'entreprise gère une centaine de restaurants collectifs en France. Dès lors qu'on a la canne, on touche les obstacles et on peut appréhender tout type d'environnement. Face à cette formatrice, des salariés de la STAS pour une journée de sensibilisation au handicap. Ils vont devoir se déplacer sans leurs yeux. Objectif, prendre conscience des difficultés rencontrées par une personne malvoyante pour se déplacer. On est parfois moins à l'aise dans un handicap que dans un autre, chacun d'entre nous. Donc il y a des handicaps peut-être plus... moins favorable à l'utilisation des transports. Moi, par exemple, je suis un très mauvais sourd, mais je suis un bon aveugle. De l'humour, mais une vraie prise de conscience, car marcher sans voir, monter ou descendre d'un bus, ou encore franchir une porte en fauteuil demande patience et effort physique, autant d'exigences insoupçonnées pour ses salariés en formation. Il faut avoir quand même les bras musclés pour pouvoir quand même pousser le fauteuil, parce que suivant les pentes, les descentes, pour retenir le fauteuil. En tout, les 700 salariés de la STAS seront formés à l'accessibilité par des personnes en situation de handicap. Une démarche nécessaire pour que tout le monde ait sa place dans les transports. Je m'aperçois que souvent les chauffeurs ne connaissent pas exactement le maniement de la palette. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir leur expliquer. Important aussi pour la métropole d'investir. D'ici 2018, 2,7 millions d'euros seront débloqués pour rénover 300 quais. De nouvelles rames de tram sont aussi attendues. Avec les 16 rames de tramway qui vont arriver à partir de mai 2016, complètement accessibles, avec un plancher qu'on appelle bas et plat. Les bus, eux, sont déjà bien équipés. 85% des véhicules de la STAS sont adaptés. Pour l'instant, les trams circulent, mais attention, à partir de mi-février, il faudra prendre les bus relais. Pas de mouvement de grève, mais 18 arbres à abattre car ils sont malades. C'est un champignon qui les fragilise et les rend potentiellement dangereux, surtout en cas de tempête, comme c'était le cas à l'automne dernier. Si le champignon, on ne traite pas et qu'on n'élimine pas l'arbre malade, ça se propage à d'autres arbres. Donc à un moment donné, il faut quand même vraiment sauver le reste du parc et anticiper. L'ensemble des arbres de Saint-Étienne a un suivi et un diagnostic régulier par principe de précaution. Et les arbres abattus seront remplacés dans la foulée. La démolition de l'ancien groupe scolaire Jules Janin touche presque à sa fin. Jusqu'à mercredi prochain, la rue de Galois sera fermée à la circulation. Le temps de déplacer la mosaïque de l'artiste Georges Totel. Les travaux s'inscrivent dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier du Crédoroc. Décidément, les moldus sont mordus d'Harry Potter. La nuit des sortilèges se déroule en ce moment à la librairie de Paris, à Saint-Étienne. Ils réclamaient cette fête depuis le succès des nuits des livres Harry Potter à l'étranger.
Ce soir, les fans stéphanois ont enfin leur version. Plus de 300 personnes sont attendues. Nous sommes de retour au nouveau théâtre de Beaulieu. C'est ici qu'espère se produire Gladys Morel. En attendant, elle doit passer ses auditions. C'est ce samedi. Elle a un franc-parler. Elle a un parler gaga. Comme il n'avait pas les naseaux bouchés, il a senti la rigotte. Ouh, ça me changera des racines, se dit cette jargille. Alors, ils attaquent une pierrière. Gladys Morel aime amuser la galerie, déjà lorsqu'elle était vendeuse. Elle fait du théâtre depuis qu'elle est à la retraite, cela fait donc 15 ans, et sur scène, elle ne parle que gaga. La plupart de ses sketchs, elle les écrit elle-même. Quelquefois, ils comprennent, mais quelquefois, ils ne comprennent pas. Mais de la manière dont je le dis, ça les fait rire. Cette année, Gladys Morel se présente au concours Nouveau Talent d'Humour du Festival des Arts Burlesques. Elle jouera des fables de La Fontaine, dont le corbeau et le renard. Alors, il ouvre tout grain son caquet pour bassouiller quelques conneries. Et voilà, voilà la rigotte qui débaroute dans les barabars, miladieu. Gladys fait aussi partie d'une troupe de danseurs à Roche-la-Molière. Entre deux danses, elle assure les intermèdes. Il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un faire-part de mariage de ma petite nièce par Aix-en-Provence. Ils ont fait pas qu'avant les rameaux, mais maintenant c'est chose courante. Ouais, il y a de ces bougres. Il n'y a pas besoin de leur faire un dessin, allez. Depuis qu'on leur fait des cours d'éducation sexuelle, ils rechignent pas à la pratique. Parce que les minettes, quand elles ont la chauffe au train, allez les empêcher d'héberger leur patrimoine. Samedi, elle aura, nous a-t-elle confié le trac face à de jeunes candidats humoristes. C'est ainsi que l'on se quitte. Restez avec nous pour la météo de Sandrine, qui n'est pas très drôle. La météo, pas Sandrine. Excellente soirée.